Eh bien bonjour à tous, c'est Castelix et on se retrouve sur Warframe. Et oui, et aujourd'hui c'est pour vous présenter le Cernos mutualiste. Non, pas mutualiste, mutaliste. Parce que mutualiste, ça serait mutuel. Quoique, vous voulez aller dans une mutuelle? Allez chez Cernos mutualiste. Ah, ça peut être pas mal. Ah, du coup, je le mettrai en titre de vidéo, ça pourrait être pas mal. Donc du coup, non, c'est le Cernos mutualiste. Je vais vous présenter deux petits builds, vous allez voir. Donc, il y a un build un peu plus... où il y a un peu de critique, et il y a un build 100% statut. Donc voilà, comme ça vous verrez un petit peu, et puis bah, je vous expliquerai tout au long de cette vidéo ce que vous pouvez faire aussi. Donc voilà, bah écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. Et oui, je suis toujours dans mes petits bugs, j'aime bien mes bugs moi. Inaro aussi est content. Donc on y va, allez, à tout de suite. Et on se retrouve sur le premier build du Cernos Mutaliste. Et oui, donc déjà, vous voyez, de base, il faudra 4 formats. Donc 4 petits formats pour une arme qui est superbe. Franchement, voilà, ça va passer très très vite. Et puis, vous voyez que c'est pas des modes forcément très compliqués à avoir pour ce build. Donc voilà, donc c'était au moins pour vous faire voir que avec 4 formats, et ben, vous voyez, on est pile à 0. Tout est nickel. Donc comme on peut voir, bah, du coup on va commencer par une dentelure, hein, ce qui est logique, on va augmenter les dégâts, le champ divisé. Bon, moi j'ai rajouté un gros calibre, parce que du coup à la base on est à 16, donc qu'on soit à 16 ou 11, c'est pas bien gênant. Hein. Sachant que les dégâts que ça nous apporte en plus, c'est largement plus intéressant. Du coup j'ai mis un petit chargeur infecté, cartouche givrée, frappe tendue et perception vitale. Donc du coup ce qui nous permet, parce que de base on a 50 de poison, du coup on va rajouter évidemment du poison. Et puis bah, du coup moi j'ai mis un cartouche givrée en plus pour partir sur un viral. Et du coup on est à 3777.2. Et puis bah, comme vous voyez, hein, j'ai foutu les deux modes de critique pour augmenter quand même un peu les critiques à 37.5. Et sur un multiplicateur de 4.4. Donc déjà on est avec un statut superbe, hein, on a un statut quand même à 91.1. Et je peux vous dire que ça fait mal. Ça fait vraiment très très mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc effectivement, les critiques sont beaucoup moins hautes que, par exemple, le Paris Prime ou le Dread. Bon, après, effectivement, quand on voit le statut, c'est une arme quand même qu'on base beaucoup sur le statut aussi. Les chances de critique et multiplicateurs critiques sont là aussi, c'est le plus quand même. Donc c'est pour ça que ce build est plutôt équilibré quelque part, puisque quand même vous touchez aux deux, vous avez un très très bon statut. Et des chances de critique avec un multiplicateur critique qui reste correct quand même. C'est pas non plus la grande folie, mais ça reste correct. Donc voilà, donc ça c'était pour ce premier build. En plus vous voyez qu'avec collision imminente, ben on a quand même un impact à 3637. C'est quand même super. Donc du coup, bah, ces deux là sur les dégâts physiques, on les laisse. Et bon, bah, vous voyez que... Là, sur le viral, on est quand même, comme je vous disais tout à l'heure, à 3777. Bon, ça, c'était le premier build. On va passer sur le deuxième, 100% statut. Et le voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a... Je n'ai pu augmenter les critiques, je les ai laissées comme elles étaient. Donc du coup, bah, notre statut passe à 100%. On passe sur un viral, donc moi, voilà. Donc c'est là que je voulais vous dire qu'on peut aussi faire d'autres choses, si vous voulez. Moi j'ai mis tout sur le viral, là bon voilà je suis à 7145 en rajoutant bah, mode de froid, etc. Enfin voilà, je veux dire, moi j'ai rajouté vraiment pour faire du statut en plus, donc voilà, il n'y a pas de truc spécial. Spéciaux. Voilà, donc j'ai du mal là, je trouve. non, alors, je voulais. Bon, moi j'ai mis le viral. Donc là, du coup, vous pouvez enlever balle cryo et cartouche givrée. Et puis, bah, du coup, vous pourrez partir par exemple, je sais pas, sur du corrosif. Et vous voyez que ça fait plutôt pas mal. Ça fait plutôt mal, mais c'est pas mal. donc voilà. Donc, ça c'était. Voilà, comme je vous disais, hein, vous pouvez choisir entre le corrosif, le viral, ce que vous voulez. Voilà, après moi j'ai mis ça comme ça, c'était pour vous faire voir au moins les dégâts que ça peut générer en plus. On est quand même presque le double. Donc non, et puis sur un statut à 100%, voilà, comme on le voit d'ailleurs sur le gameplay, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, donc après bah, ce sera à vous de voir un petit peu ce que vous voulez réellement faire, si vous voulez partir en corrosif, viral, gaz, ce que vous voulez. Ah, je sais pas moi,
Après, ce sera à vous de voir. Mais au moins, voilà, vous avez vraiment deux styles de build que vous pouvez faire sur ce Cernos mutualiste. Et non pas mutualiste. C'est la mutuelle Cernos. Bref. Je suis dans mon délire. Celui-là aussi, bon, si vous voulez rajouter un peu de critique. Voilà, les deux builds pour vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire. Allez, bah écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ce petit Cernos. Et oui, très très bon d'ailleurs, hein, franchement, moi j'ai pris du plaisir à jouer avec cet arc. Donc non, faites-vous plaisir avec cet arc, vous allez voir, vous allez kiffer. Mais grave kiffer, mais un truc de fou, vous allez surkiffer. Donc voilà, allez, moi je vous dis à bientôt, c'était KCX, ciao ciao.